Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Mais nous pas perdre du temps, nous commencer. Cool, yeah. Les tribunal en vrai, collègue junior rentré dans le bureau lui, automatiquement les finis du pot bureau, les regardez, le classeur, côté lui conservé, on sait des côté pièces à confiance, le qui classe à lui enfoncé, également par effraction que l'autre la femme surprend et on valise qu'il y a la dernière plusieurs pièces à confiance concernant magistrat, concernant dossier, assassinat, notamment celui de valeur, balancier bâtonnier de Port-au-Prince Cap. Également, nous, après ça, c'est nouvelle, ça veut dire qu'il peut faire secret, il peut faire secret avec tout ça, personne ne peut pas connaître, parce que moi-même, c'est ma droit, vers les 9h du soir, on est au courant de ça, et puis il est rentré en contact avec greffier, et puis greffier expliquez-moi que c'est dans le week-end qui est sorti vendredi pour arriver lundi matin, qui est cassé, nous cassé greffe là, côté qui ont emporté documents, ils ont emporté pièces. Mais nous, après la population, c'est pas pour la première fois, ça a été côté. Que y a cassé très tribunal de première instance. Donc, dernière fois, moi-même, j'ai fait une intervention dans la presse, c'était le député cambriolé, greffe, cabinet de destruction dirigé par magistrat Wilmer Morin. Par magistrat Wilmer Morin, et ceci est plusieurs autres cabinets toujours cambriolés, c'est que je toujours pour des analyses. Ça veut dire que c'est à répétition, il est toujours cambriolé, greffe, tribunal, c'est en répétition toujours volé, côté de l'île, ou bien pièce action qui concernait des dossiers de droits de l'importance. Quelqu'un, depuis de ça, qui examine là-dedans, ou de l'équipe de somme d'argent là-dedans, ou mettre assuré qu'il y a problème. Et c'est une raison que le magistrat qui est responsable d'instruction de ça, il y a l'intérêt de dossier qui était choisi pour corps dossier seulement, il n'est pas choisi, il n'est pas décidé de prendre pièce à convenir avec corps du délit. Et effectivement, il prend, il n'est pas prendre, c'est parce qu'en raison que lui connaît pas gagner sécurité dans le tribunal. Ça, et à n'importe quel moment donné, n'importe où, capable de rentrer pour lui voler de bagages qui concernent les dossiers. Et ceci, on a fait remarquer côté que dans le greffe ça, mon responsable a fait greffier junior souveraine Télémax, côté que je remets plus pour ça et je remets plus une seule clé, pourtant nous connaissons une pagaille et une seule clé. Et on sent que les gens ont plié clé de la caille, ils ont plié clé dans le bureau, égale porte à plus fermé, égale ça, c'est démonté, c'est obligé de monter ces roulants pour monter, pour être capable de faire une clé, parce que les collègues attachés qui se greffent, quand les cassis qui se greffent en chef, ils ont essayé que les gens dans le bureau. Même une clé qui est bon pour te ouvrir pour ça. Égal, clé ça, et la donne de la clé ça qui va pied dans la racine de l'an, avec personne qui est capable de faire ça son côté clé. Et ceci, nous-mêmes, nous avons déjà fait intervention de côté collègue Cassimoza, côté que nous demandons pour te parler avec doyen, pour te changer de serrure qui n'a pas par après, il est cassé, cabinet de son magistrat Morin. Nous-mêmes, nous avons compris que tu es changé, mais c'est à partir du dernier cas ça, m'a pu comprendre que nous pas jamais changé. Et collègue lui-même, lui, n'a pas parlé de avec lui. Il dit que l'élite fait un postal, il demandait pour changer ses roues, pour lui mettre en série qui est capable d'ouvrir avec un point et puis installer une caméra là-dedans parce que le dossier qui traite dans le greffe cabinet de gestion, c'est des dossiers de grande importance, mais également, il n'est pas capable dans un bureau, côté tout le monde capable de rentrer, il libère, il fait ça ouvrir. On a remarqué, on a fait remarquer côté que, bien fois, des CPJ ont arrêté un individu dans la rue et jamais été rentré un individu ça. Après enquête, après recherche du CPJ, il a révélé que c'est un ZAM qui fait nos dossiers, qui fait notre cabinet d'instruction, côté que les greffes par les statuts cassés, côté que nous-mêmes, il était prend ZAM ça. Et il dit ça qui est critiqué, et il dit ça c'est petit, qui est octon, qui fait dans le palais de justice à l'époque, ça veut dire montrer que il y a des liens, quand il y a des relations quand même entre la vie avec des gens qui a travaillé dans le palais de justice du Port-au-Prince. Dans le palais de justice du Port-au-Prince. Ensuite, il y a un trou qui est dans une zone côté que nous fait installation pour climatiser. Tout ça, les autres sont capables de passer par des lieux, rentrer là-dedans, et puis les rentrer là-dedans, il est capable de monter par en l'air, il est capable de rentrer dans n'importe quelle question, dans n'importe quel bureau, qu'il est capable de chercher là-dedans. Nous,
Nous-mêmes, l'Association nationale des greffiers haïtiens, c'est un dossier qui avec intérêt, côté que nous avons qui a lié l'État, la jeunesse, là-bas avec nous. Mais nous avons rappelé que nous, ce n'est pas la première fois que ça fait, parce que nous avons fait 4 parce que nous avons environ 50 motocyclettes qui n'ont pas l'été pour ce côté qui ont déjà volé des cœurs qui sont là, et on a déjà volé des cordes de l'été pour sa coquille dans un dossier tigé, ils ont volé dans un dossier Anel Bélier, ils ont volé dans un dossier Anel Joseph. Ça veut dire que c'est chaque fois volé des assaillants pour nous plus un temps. Nous pouvons aller des pièces qui lui-même cap capable. Je tiens, nous ne souhaitons que même j'aime nous et faire là, nous avons fait la diabolisée greffier. Nous ne souhaitons que pour utiliser greffier en tant que cobaye ou des confidents, nous détourner attention de la population avec la communauté internationale. Tout greffier est battu, nous faisons devant la police. C'est divers greffiers, nous plus précisément greffiers joueurs, télémat. Nous souhaitons que toutes nos responsabilités, les CPI travaillent avec toute liberté libre pour capable de vérifier exactement ce qui est complice ou bien qui est responsable d'AXA. Et que je dis, nous-mêmes, tout on constate que c'est négligence liée pour côté autorité, parce que si on n'est pas négligé par la justice de votre place, ou par la justice qui a traité une série de dossiers qui sont sensibles, on n'est pas capable de gagner sécurité, on n'est pas capable de sécurité non, quand on n'est pas capable de rentrer ou de montrer. Et nous-mêmes, nous souhaitons que à partir de cette crise-là, pour mettre des grillages en fer de toute portion et puis pour greffe cabinet de destruction même côté qui a précisé le dossier ça a conservé la donne pour pas faire en béton de manière à ce que nous ne sommes pas capables de contrer la donne. Et ceci dans tout pouvoir qui est, c'est des cartons qui sont dehors, c'est des préfabriqués en carton qui sont dehors, également nous sommes capables seulement lever à passer en l'air en sous bande béton pour que bien et bien écologique à tout rentrer dans quel que soit le pouvoir où ça s'est fait et puis après ça y va aller. Et on gagne l'autre scénario, nous ne sommes pas capables d'entrer. Le tribunal a enlevé tout le temps jusqu'à ce qu'il a fermé, il fermait tout le temps, et puis il cherche à la fête, et maintenant il se compte parce que le tribunal là, on n'a pas la justice de l'opérateur, sans pas gagner assez d'éclairage, et ceci, sécurité avec les policiers qui apportent nous, qui attachent dans le palais, ils pas gagné accès pour nous faire aller et tout, nous couloir, pour nous vérifier, est-ce qu'il y a un monde, ou bien est-ce qu'il y a un monde qui a fermé tout le temps. Et aujourd'hui, nous déplorons sa crise. Avec une grande inquiétude que nous voyons nos pires craintes se réaliser. Effectivement, le 19 octobre, le Conseil a appris avec consternation la disparition des corps du délit dans le cadre du dossier du bâtonnier d'Orval. Il n'y a pas eu de bris de serrure. La porte n'a pas été forcée. Le Conseil est interpellé par la facilité avec laquelle les corps du délit ont disparu et constate l'absence totale de mesures pour sécuriser le dossier. Les juges et les greffiers ne devaient pas avoir la mémoire courte. La disparition des pièces à conviction est un fait récurrent dans les assassinats de grandes figures de la société dont la voix s'élevait pour éclairer et servir. Dès qu'un dossier pénal à caractère emblématique se trouve au greffe pénal, la porte est ouverte et le dossier disparaît. Le Conseil n'acceptera pas la loi de l'omerta. Il est évident qu'un simulacre de procès est en train de se planifier et cette mascarade se déroule avec la complicité des acteurs du système judiciaire même. Ceux qui ont assassiné M. Dorval œuvrent à corrompre l'intégrité du processus et à assurer que les avocats et la société ne reçoivent pas la justice effective qu'ils réclament. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution et par la loi. Ce droit à la justice ne peut être exercé lorsque l'impunité est orchestrée dès le début de l'enquête. Sans preuve, le droit est désarmé. Nous espérions des autres acteurs du système judiciaire, les greffiers, juges, commissaires du gouvernement, non pas une partialité parce qu'un professionnel de la justice comme eux a été lâchement abattu, mais l'accomplissement consciencieux de leur devoir. Nous savons que le temps est notre pire ennemi. Il faut agir avec la plus grande diligence. Il revient au CSPJ de créer les conditions nécessaires à la réalisation de la justice. Nous exigeons
exigeons en conséquence que des mesures soient prises afin de diligenter une enquête pour établir les responsabilités concernant la disparition des pièces du dossier. Cet incident justifie encore plus la demande faite par le Conseil au président de la République de constituer une commission d'enquête internationale. Bon, cause du délire, plus le téléphone, okay? Nous ne connaissons pas en qui ça le constitue, parce qu'à chaque fois, nous demandons est-ce qu'il y a communiqué ou pas communiqué. Okay? Donc, c'est, nous connaissons que ce téléphone, tout acteur que vous arrêté, ou qui a prouvé des communications avec M. Dorval, qui a montré bien que vous avez avec M. Dorval, qui jamais la fait passer, et c'est eux tous qui étaient là. On dit ça quand vous la ouvri, vous allez tirer, vous prenez ça quoi. Donc, ça quoi, allez. Donc ça veut dire que nous-mêmes, coordonnés, qui étaient là pour nous, avec nous, nous n'avons pas là. Donc, tout espoir, nous, c'est de CPJ, de pièces, lui-même, il se lit en commission au gadois pour compléter l'enquête là, ce rapport que c'est là, son rapport partiel. Donc, avec l'enquête là, continuons à nous espérer que le CPJ est capable de remonter à tout ça qu'il est bail déjà. Heureusement, téléphone est devant la bas là. Bon, pas parler de négligence. Parce que l'enquête là ou là, même moi, c'est des bails qui habitent fait. Et son bagage qui gros fait, il faut qu'on te prévoit que le d'abord le fait, pour te prendre les dispositions nécessaires pour te éviter le défait. Il y a été où est ouvert une porte, ce n'est pas une porte qui est écrasée, ce n'est pas une porte qui a aucun ébail et des fois que la porte là, on est ouvert, ok? Et puis, qui a pris le dossier? Donc, il n'y a pas de son bagage qui n'est pas planifié. On a connu de tel côté, dossier tel côté. La ville, quoi? Pour qui ça va dans la guerre civile là? C'est la greffe pénale là. Mercredi matin, moi-même, greffier en chef là, monté chita avec le ministre de la Justice là pour nous informer de premièrement de ça qui arrive dans le tribunal là et pour nous parler avec de dispositions nous estimer qui t'a dû prendre pour renforcer la sécurité dans le niveau tribunal là. C'est pour ça que nous avons saisi formellement parquet pour le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Tant que nous connaissons le commissaire gouvernement, c'est lui-même qui est chef de la poursuite pénale. Ça veut dire que les infractions qui commettent, parquet est capable de mettre action publique en mouvement. Même d'office, le commissaire gouvernement a agi sans qu'on n'ait pas besoin de porter plainte. Le commissaire gouvernement, dans le cadre de ça, il était relé, juridique titulaire de la section sud de Port-au-Prince, M. Philippe Vincent, et pour ses verbales, il était dressé à toutes fins utiles. Dans le cadre réalisation ou bien rédaction pour ces verbales que j'ai eu de PAT faire, moi-même, je suis déposé, je suis fait version par de faire, mais qui ça que je connais dans ce qu'a parlé. Griffier en chef là, tout, il était parlé tout. Je suis tendu, Junior, Sauvin, Stélémac, tout, mercredi après-midi. Et comme ce gouvernement a dit immédiatement, il finit dans des Télémac, il a parlé de délégation de compétences ou bien délégation de pouvoir à direction centrale de la police judiciaire, nous connaissons qui est en couverture nationale, pour être capable d'approfondir l'enquête là. Moi-même, comme administrateur, je vais être insensible, tout, moi, adresse en correspondance par directeur central de police judiciaire là, plus particulièrement BAC, Bureau des affaires criminelles, qui est une sous-direction de CPJ, nous demandons pour être capable de diligenter l'enquête qui peut permettre de nous identifier auteur, auteur complice de ça qui passait là. En puis, pour ta, mettez maintenant encore l'être monde pour nous. En puis, pour déférer au bail la justice, pour nous capables de faire un procès public, pour tout le monde connaît toute vérité dans ça qui passait. Dans le cadre de rencontre, nous avons avec le ministre de la Justice, à tout le ministre, c'est pour mettre nous la voie des mondes là, venir faire une évaluation de besoin tribunal là. Parce que nous disons pas normal, pour de temps en temps, pour tenter, greffe à cambrioler, tribunal à cambrioler, parquet à cambrioler, là, comme ça, ça, nous avons emporté, bijoux, c'est l'argent, c'est armes, c'est laptop, vous sentez ces bagages à eux, vous ne pas venir, ouais. Nous disons qu'il y a une enquête qui fait un peu pour déterminer la responsabilité de chacun. Dans le cadre de ça, matin, nous avons des CPJ vin là pour approfondir l'enquête là. Ils ont été recevoir par moi-même et le chef là. Ils ont besoin à regarder côté, ils ont dit, qui était cambriolé. Moi, avec le greffier en chef, là, nous avons déplacé, nous menons enquêteur de CPJ dans le bureau. Malheureusement, le greffier en chef, là, il n'a pas gagné clé
qui a accès à greffe cabinet d'instruction. Et Junior, Sauvens Télématou, il n'est pas présent. Le nom de l'autre greffier, côté greffier Télémac, il dit non, greffier Télémac n'est pas la veille depuis le matin. Il dit qu'il n'est pas senti bien, il n'est pas venu. En gros, c'est ça que fait au carouette de CPJ, pas entrer en dedans, en greffe cabinet d'instruction pour être capable de faire prélèvement. Ça veut dire, fait constat matériel, puis fait prélèvement. Si vous êtes capable de faire une empreinte, ça veut dire l'empreinte digitale, si vous êtes capable de faire une empreinte plantaire, tout ça qui est capable de servir à manifestation de la vérité, vous devinez là pour vous faire les notes de travail. Mais c'est dommage, c'est moi-même avec Griffia qui recevoir. Griffia a déposé comme responsable greffe. Mais des CPJ sortis dehors à tout et à continuer d'étendre, agent de sécurité, l'autre greffier, bref, tout le monde qui est capable de gagner information. Donc on dit, nous te dit déjà dans vos deals, greffier en chef n'a pas gagné clé, greffe cabinet d'instruction. Hein? Junior Télémac pas présent là, je veux dire, c'est ça fait des CPJ pas rentrer dans le greffe cabinet d'instruction pour être capable de faire un état des lieux. Moi-même, comme administrateur tribunal là, moi j'ai accompagné avec tout greffier en chef là. Pour nous aller dans le bureau greffier Junior Télémac. J'ai besoin de garder comment greffe cabinet d'instruction est. J'ai besoin de garder tiroir pour voir si vous êtes forcé. Et j'ai besoin de faire des prélèvements pour prendre empreinte. Malheureusement, greffe cabinet d'instruction n'est pas ouvert. Et c'est seul Sauvens Junior Télémac qui est responsable. Bref, cabinet d'instruction qui gagne clé, porte qui va accès à bref cabinet d'instruction. Oui, c'est ça que fait, il n'a pas fait travail ça, je dis. Toutes les fois qu'il y a besoin de la faire sentir, enquêteur de CPJ va venir. Donc, on ne peut pas gagner qui méthodologie, on ne peut pas dire qui ça va faire dans le travail. Je rappelle, nous rappelons que Télémac était en enveloppe jaune, est-ce que nous va venir à la donne? Non, malheureusement, je suis à la donne, elle va venir à la donne. C'est hier, il était fait ça, l'un des grands réunions dans la première chambre civile là, moi-même, je suis un chef là avec des filles, il était tout remettre les enveloppes jaunes, c'est comme si c'est les désengager, ça tenait maintenant quatre dossiers à les remettre les, mais malheureusement, dans l'enveloppe jaune, ça va être clé, porte qui va accès à greffe cabinet d'instruction. Nous sommes allés dans le greffe là moi-même, avec greffier chef là, avec enquêteur de CPJO, pour être capable de faire travail. Mais malheureusement, greffe là va ouvrir et greffier qui est responsable greffe cabinet d'instruction n'est pas présent. Selon le rapport que greffier Junior Télémac te soumet à moi-même et à greffier en chef là, il dit qu'il était séparé pour du délit ou bien pièce à conviction en deux parties. Il dit qu'on partie qui a gagné un téléphone, bâtonnier de fin, il était dissimulé dans le dossier anodin, qui a gagné un téléphone là avec une enveloppe qui a gagné une somme de 2000 dollars américains. Il dit l'autre partie dans la pièce à conviction qui était constituée de 6 téléphones portables, des cartes SIM, des pièces d'identité avec une enveloppe qui a gagné environ 150 000 gouttes, c'est lui-même qui dit, il n'y a pas de il n'y a pas de voilà. Mais ça, le dit, c'est téléphone bâtonnier de feu avec enveloppe qui gagne 2 000 dollars américains. Donc, c'est dommage que ce matin, il n'y a pas de parler, ce n'est pas Junior qui a donné la version par le défunt. Mais c'est dommage, je crois que c'est le président de l'association de greffiers, et je crois que c'est dans la juridiction, le tribunal de première instance de Petit Bois de travail. C'est dommage, c'est lui-même qui est obligé à parler pour un bagage qui passait dans le greffe, tribunal de première instance de Port-au-Prince. Je pense que le véritable concerné à ces Sauvens Junior Télémac, si vous avez information concernant, c'est lui-même qui vous a parlé. Mercredi, il était là dans le parquet, moi-même, greffier en chef là, Télémac, il était fait déposition, il était bail parlé et greffier en chef là, il était bail. La preuve, même pas là, nous ne pouvons pas rentrer dans le greffe qui bail, dans le greffe cabinet d'instruction, parce que nous n'avons pas gagné clé, porte qui bail accès à greffe cabinet. Et c'est idem, dernièrement, même pour recevoir dossier ça, Junior Télémac, pour raison quelconque, il va pas venir, c'est dépêché. Griffier chef là, t'es dépêché, yon moun, à chercher pour être capable d'ouvrir greffe cabinet d'instruction, pour être capable de recevoir le dossier, parce qu'on connaît activité au point mort depuis le bâtonnier a été mort. Nous t'es même arrivé non pour CSP, j'ai demandé pour nous lever tout siège.
jusqu'au funérail, ça veut dire pas de gain activité même presque dans le tribunal là. C'est dépêcher, nous obligé de dépêcher au monde. Aller chercher greffier Télémaque pour nous être capable de faire réception dossier. Pour faut que nous disions les bagages ça y est passé. Nous-mêmes, nous pas arrêter bras croisés, ni moi-même, ni greffier en chef là, comme deux principaux administrateurs tribunal là. Nous sommes des gros problèmes quand une élite est posée dernièrement. Moi-même avec greffier en chef là, nous avons pris des dispositions, particulièrement moi-même comme droit MD, alerté de CPJ. Je suis présenté sur les lieux, je suis fait des prélèvements, je suis détendu des gens. C'est dommage, moi je dis, nous pouvons avoir un rapport d'information pour nous connaître toute vérité autour de ça. Greffier en chef là, nous pris des dispositions, nous avons changé la serrure qui est dans le poteau et nous avons changé tout le monde qui était responsable greffe cabinet d'instruction. Ça veut dire, les bagages sont passés, ni moi-même. Mes greffiers en chef là, nous n'avons pas arrêté bras croisés, nous avons adressé des rapports à la fois à président CSPJA et à ministre de la justice là, et nous avons fait tout ça qui était dans la compétence nous comme administrateur. Le dossier physique là, il est dans le bureau juge d'instruction. Ça veut dire, document est dans le bureau juge d'instruction. Mais greffier junior dit, l'El Talbay, juge Renaud Régis, dossier est tout côté, toute pièce à conviction qui est dans le dossier. Mais greffier Renaud dit pour des raisons de sécurité, il prend le dossier physique là pour le travail toujours. L'heure a besoin de pièces à conviction pour le représenter à inculpé, la rechercher. Mais tant qu'on détend dans la radio, il dit dossier a disparu, dossier a dit intact. Ça veut dire dans le bureau juge là. C'est des téléphones portables, 4 SIM, une enveloppe qui est 150 000 gouttes avec des pièces d'identité. Greffier a un rapport que le bail à moi-même et à greffier en chef là, il dit que il n'y a pas ouais. Mais dossier physique là, il est dans le cabinet de juge d'instruction. Dès mon installation, le 27 juillet 2020, j'ai pris l'engagement de mettre sur pied une brigade de vérification et de surveillance des patrimoines. Aujourd'hui, 22 octobre 2020, je suis donc heureux de pouvoir présenter à la population haïtienne un échantillon des membres de cette brigade fraîchement constituée. L'idée de doter ULCC de cet outil pratique et efficace se veut en conformité avec la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics. Vous n'êtes pas sans savoir que le législateur a confié la mise en œuvre de cette loi à l'unité de lutte contre la corruption. Sur cette base, de notre lieu, nous entendons faire appliquer toutes les dispositions de cette loi. Pourquoi nous nous sommes fait accompagner ce matin du chef de la poursuite pénale, le commissaire du gouvernement, représenté par son substitut, maître Néhémy Jean-Baptiste. Je pars du constat alarmant que les personnes assujetties sont très réticentes à effectuer leur déclaration de patrimoine. Je veux leur rappeler que manquement à cette formalité légale constitue une infraction contre laquelle l'ULCC réagira. Ce dynamisme positif qui se développe dans cette institution républicaine nous porte à laisser le confort des bureaux pour conduire les enquêtes sur le terrain avec nos enquêteurs bien qualifiés, dévoués et patriotes qui méritent, comme je le dis tout le temps, les honneurs de la République. Cette brigade aura pour mission principale de faire la vérification physique des meubles, immeubles, tangibles et intangibles qui font partie des patrimoines des déclarants. Cette vérification in situ permettra à l'ULCC de mettre en lumière les fausses déclarations, les déclarations inexactes ou incomplètes, afin d'anticiper tout acte d'enrichissement illicite et de protéger, comme l'a signé le décret du 8 septembre 2004, les biens publics et collectifs. L'autre mission importante de la brigade est la surveillance de l'évolution des patrimoines, car
dès qu'il y a une modification patrimoniale qui dépasse 40% du revenu annuel imposable de fonctionnaire ou d'une personne détentrice des mandats populaires, il lui est fait obligation au terme de l'article 12 de la loi du 12 février 2008 de venir mettre à jour avec les explications justificatives nécessaires et surtout convaincantes sa déclaration de patrimoine initial. C'est un travail d'expert qui se réalisera avec toute la discrétion que cela requiert. Cette brigade, je vous l'assure, sera partout et sans se faire remarquer. J'en profite pour remercier le président de la République, Excellence M. Jovenel Moïse, le Premier ministre Joseph Joute et mon ministre de tutelle, le fatigable Michel Patrick Boisvert, pour l'accompagnement budgétaire qu'il nous donne en vue de la mise sur pied de cette structure qui, je vous l'assure, va troubler le sommeil des dilapidateurs. Le parquet a le plaisir de prendre part à cette initiative puisqu'il partage cette double et cette importante mission d'assurer la régularité dans l'ordre, au sein de l'ordre social. Alors c'est un plaisir de prendre part à cette activité et le parquet entend apporter toute sa collaboration pour assurer le suivi des dossiers, pour assurer le suivi, ou du moins la bonne et application de la loi. Nous avons cette double mission qui consiste à prévenir la fonction répressive ainsi que la fonction de préventive et la fonction répressive dans la société. Nous entendons par là apporter toute notre contribution à l'ULCC pour la bonne application de la loi. Et nous invitons tous les acteurs de la société, tous les sujets ciblés par cette loi à apporter leur collaboration pour la bonne marche de la société. Puisque nous sommes tous des créanciers, nous avons tous intérêt dans ce qui se passe dans la société. Merci pour la question. Radio Kiskeya. Tout d'abord, je dis que l'ULCC sont institutions républicaines. L'ULCC, je toujours dit, c'est la police de l'administration publique, quel que soit côté ou combien, dès que nos dénonciations, l'ULCC au courant de lui, soit de mauvaises utilisations qui fait, l'ULCC a agi. On ne fait pas de la politique dans cette institution et vous souhaitez la presse encourager dans ce sens. Merci. Ensuite, pour sous déclaration patrimoine, non? Au niveau de la présidence, ça nous gagne dans le registre, c'est 100%. Ok? 100%. C'était facile pour nous. Soit en 2020 là et nous devons faire un examen philo. Bah facile. Mais sauf que la mathématique et l'état font habit. L'état font qui habillé. Parce que nous faisons section D nous-mêmes. Nous faisons section D. Il y a Ania Boussé, nous section C. Il y a autour, nous passons dans la mathématique. Mais c'est tout le passé. Parce que Ania, nous avons fait. Toi, moi, l'école. Mais c'est m'a passé quand même. Parce que nous avons fait évaluation comme si fait moins haut. Nous avons fait 1400 combien. Parce que même m'a passé. Moi, là, je suis inscrit dans l'université de ça. Mais je suis inscrit normalement parce que moi, je prends science médecine. Le ministère a été dit là,
était dit il a fait une sorte de résumé par rapport à la situation et PAT vécu. Nous avons pris un pays log, après ça a pris une maladie. C'est vrai que nous avons perdu un peu de jour, mais il n'y a pas si difficile. Nous avons dégagé nous assez mieux. Et j'ai un programme qui était prévenu, j'ai mis ça à du programme là, et il était fait. Il était fait comme ça. Et j'ai nous gardé l'examen. C'est vrai qu'il y a un peu d'élèves qui ont un petit peu d'examen qui est un petit peu compliqué, mais si pour le côté de l'IA, il n'est pas tellement dur que ça. Et l'examen n'est pas tellement difficile. Parce que si on sort des résumés, il était et tout ça qui sortit, et on était en web programme ça déjà. Oui, depuis tout examen, c'est bagay nous en casse, excepté mathématiques là qui était un petit peu compliqué. Mais nous détendons, nous défendons assez mieux. Donc, vous avez un message pendant à peu près 4 jours ça? Bon, si j'ai un message après 4 jours ça, c'est que nous espérons que correcteur pour corriger feuille, soit capable plus compréhensif dans sa affaire. Parce que m'a souhaité pour ta gagne méchanceté fait dans l'examen. Une équipe pour ta fait dans l'examen, m'a souhaité pour correcteur prendre soin, prendre le temps pour capable corriger feuille, afin que l'élève capable de jouer un résultat selon ça où tu travailles. Et ça m'a souhaité ça. Délégation de 6 membres et qui c'est 6 représentants au forum au colloque qui était fait jeudi 20 octobre dans l'hôtel Caribé sur nécessité pour une nouvelle constitution et pour organisation élection intègre, élection crédible et pour tout le monde qui a participé. Et pratiquement il y a environ 5 à 600 monde qui étaient présents et dans le colloque là, il y a un pile débat sur plusieurs thèmes qui ont un rapport avec tout ça qui est intéressé les Haïtiens pour intérêt pour le développement du pays. Et c'est ce document ça justement nous venons pour débat président pour suivi. Parce que le président, c'est le président paysan. Tout acte officiel et que ensemble petit pays en fait, supposé tomber la main pour qu'on fasse suivi la nouvelle constitution. Avec un peu de plaisir, il sera document et il va nous garantir que l'Ibral fait suivi tout ça qui est écrit dans le document. Ça. Par exemple, intégration diaspora et toute sphère politique dans le pays. Pour décentralisation hein, et conseil électoral permanent. Et c'est autant de thèmes qui étaient parlés dans le forum là, et nous avons dit qu'il y a un peu de réaction, un peu de réflexion autour de thèmes. Nous croyons que jeudi, la constitution 87 là, c'est un instrument qui est caduque et nous avons procédure pour amender le difficile. Donc presque tout le monde est d'accord que nous faisons une nouvelle constitution. Donc à tête nous, c'est que nous baillons le président un document suivi. Hein? Nous pensons qu'un pile forum qui a fait encore pour élire la nouvelle constitution. Ça. En 2 siècles d'existence, la République d'Haïti a, en tant qu'État souverain, enfanté plus d'une vingtaine de textes constitutionnels. Depuis la proclamation de son indépendance au début du 19e siècle, à chaque changement de gouvernement, les nouveaux titulaires du pouvoir sont tentés d'effectuer des modifications de la Constitution. Tout se passe comme si ces changements et amendements venaient étayer la construction d'un édifice légal sur mesure et conforme à l'intensité d'un mouvement politique au vœu de chaque régime, au souhait de chaque personnalité au pouvoir. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que dans le pays, nous avons réalisé que chaque fois que nous avons un nouveau gouvernement, un nouveau temps dans ce qui prend pouvoir, le monde qui a la tête là voulait faire un changement constitutionnel pour la constitution, ça a bon pour lui. Ça veut dire que c'est on est 41, il fait un costume, mais costume, ça c'est pour lui le bon. C'est dimension nous prend, c'est envie de mettre là, c'est gens ouais, question pour le faire, c'est gens veulent diriger à que veut faire. À la lumière des différents régimes politiques qui ont traversé ce pays, à savoir l'Empire, la royauté, la présidence à vie, exécutif bicéphale, président premier ministre, Haïti donne l'impression d'un pays qui cherche en permanence sa voie de sortie de crise en continuant à jouer sur des options constitutionnelles inefficaces. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que entre 1804 et jeudi, nous essayons un paquet de formes. Et de Saline, gouverneur général à vie, roi, empereur,
monsieur le président, monsieur le président à vie. Maintenant, tout au cours de ça, donc il y a des changements qui ont fait. Et grande question que tu vas poser, là, tout le bagage va fait. Est-ce qu'il s'agit d'amendement? Combien d'articles qui vont changer nos constitutions pour nous mettre seulement ou amendement? Est-ce que nous avons parlé de révision constitutionnelle? Combien d'articles qui vont changer pour nous simple révision constitutionnelle? Est-ce qu'il s'agit tout de nouvelles constitutions? Nous prenons l'exemple du Valier, parce que c'est l'exemple d'abord qui est très récent, et qui montre encore que pendant tout le régime du Valier, de 1957 à 1986, il y a au moins 5 passés qui fait dans la Constitution, et qui confirmait encore ce que nous avons promis, à savoir, à chaque temps politique, à chaque espace politique, dirigeant, il y a un réflexe à tendance, ranger Texas pour Texas, bon, on lit. Quand on dit c'est toute histoire, non, comme ça. De Saline, non, mais tête lui, gouverneur général à la vie. Toussaint, non, mais tête lui, gouverneur général à la vie. Boyer, pour pouvoir aller faire 25 ans la donne. Et puis, ainsi de suite, toute histoire, non, c'est ça. Ce qui veut dire que nous avons un problème que nous avons résoudre. Expert, on va parler après, on va peut-être plus explicite, parce que c'est comme on l'a dit, nous pas un expert sur la question constitutionnelle. Mais ce qui est évident et clair, c'est qu'en tant que société, nous ne pouvons jamais arriver à casser le rythme ça. Nous faisons que c'est l'histoire qui a mené nous. Nous faisons que c'est l'événement qui a mené nous. Nous faisons que c'est chaque monde qui arrive en poste. Après des grandes questions aujourd'hui là. Mon grand questionnement sur la fin du mandat du président actuel. Est-ce que c'est 2021? Est-ce que c'est 2022? L'opposition dit 2021. Le pouvoir dit 2022. Pas un coup constitutionnel qui vous décidez. C'est que ça pour lui. Donc ce qui veut dire que des deux côtés, on est en train encore d'aménager des espaces qui capent beaucoup nous. Donc le pays n'a jamais été en réalité la raison d'être des constitutions. Les constitutions ont toujours été au service de quelques individus, au service de groupes et au service de certaines tendances politiques. Donc toute histoire constitutionnelle haïtienne est basée sur ça. On prend le pouvoir et on aménage un espace pour pouvoir diriger à notre façon et dans la logique de nos intérêts. Donc l'histoire d'Haïti, c'est une histoire de permanence instabilité constitutionnelle qui fait qu'aujourd'hui encore, 22 octobre 2020, on questionne la Constitution et cette affaire de Constitution est encore à l'ordre du jour. Donc moi, je pense que samedi là, c'est intéressant de montrer donc, que la Constitution n'a pas changé parce que l'intérêt national, c'est ça qui a dicté tout changement ça. Donc m'espérer que, étant donné que c'est à l'ordre du jour, pour nous faire votre Constitution, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de faire des amendements. Il ne s'agit pas de retirer ce métier là. On doit repenser la constitution haïtienne et essayer cette fois de faire une constitution qui soit dans la dimension de nos espérances en tant que peuple et en tant que pays, mais tout qui tienne compte de réalité moment pour bien être pays. Par rapport à la constitution, voici les propositions que j'ai faites pour pouvoir parvenir à un système électoral, je dirais, moderne. D'abord, nous devons revoir le régime politique en Haïti. Passer à un régime présidentiel avec un président de la République et un vice-président. En fait, premier ministre qui prend devant le Parlement, qui prend faire chantage, recevoir chantage, qui prend... ça, on est fini avec nous. Nous avons besoin d'un président et d'un vice-président qui font campagne, que tout le monde est, qui assume des responsabilités et qui n'a pas besoin de pays à chaque fois. C'est une porte sur la corruption comme campagne. Pour nous rappeler. Ainsi, je propose, les parlementaires seront, doivent être élus en même temps que le président de la République. Il nous faut harmoniser le mandat du Parlement et le mandat du président. Le président va pas diriger pour quoi? Si vous avez le président qui a été élu pour 5 ans, le Parlement a été élu pour 5 ans, le tout devrait aller en même temps. Et si après tu es de rester même genre, pour 5 ans. Aussi, vous avez besoin de l'harmoniser le cycle des mandats des élus. Il n'est pas capable de gagner toute élection ça. Il faut uniformiser le cycle des mandats en Haïti. Prévoir des sièges au Parlement pour la
la diaspora qui pourra être représentée selon des régions préalablement définies. On a déterminé des régions et faut diaspora qui est capable de les représenter partout dans le Parlement. Est-ce qu'il y a un trait à l'association de l'élaboration telle qu'on est d'une charte avec l'organisation de chaque élection? Nous sommes en train de nous faire. Constitution, loi et le CASA, loi électorale, puisque jusqu'à aujourd'hui, la boule est comme là, le décret électoral, le boule, le rappel de la déclaration, il faut même de la loi électorale. Loi électorale là, la boule est en train si en fonction de la dynamique sociale, le modifié par la donne, la modifié, et faut que loi électorale, pas de décret électoral. Même vous voulez que ce soit un délai, que nous avons parlé de conseil électoral, de l'usage permanent. Le conseil peut être tout simplement et tout bonnement un conseil électoral national. Pour qu'il puisse avoir l'usage permanent, pas de l'usage permanent, l'institution. Pour assurer la continuité de l'État. Donc le conseil électoral est national. Puisque c'est la disposition transitoire. Comme on dit le conseil électoral à partir d'une formule, on dit que cette formule est provisoire pour avoir un mandat X, un mandat Y, un mandat de Z. On dit que cette formule est provisoire en attendant la formation de conseil électoral permanent. Nous avons conseil électoral, la première ou CM, ou du moins le CE tout simplement, dans la mesure où l'institution doit être permanente. Les membres doivent détenir un mandat inamovible. Même si le mandat est amovible, ça veut dire que le mandat de 9 ans, si c'est ça, le mandat est amovible, il a duré 6 ans. Pendant 6 ans, ça a duré le mandat tête faite, la planète, vous avez X, vous avez Y, 4000, faut que vous démissionnez, faut que vous prenez la etc., pression politique, etc. Du bon mandat, 9 ans. Si vous avez eu, pas de monde qui a été là-dedans. Donc, même ça, entre guillemets, ça a duré des visions, mais le côté de le ministère de l'Intérieur provisoire, parce que le ministère veut condamner le pouvoir. Nous avons le ministère de l'Intérieur. Le ministère fait le que nous demandons du pour l'année et pour voter. Donc, première proposition, c'est d'avoir un conseil électoral national, nommé, gagné le mandat inamovible, c'est-à-dire que ne pas prendre ni pression à droite, ni pression à gauche, ne pas dépendre de quel le pouvoir, mais réellement indépendant. Le comité organisateur lui-même, il a une note de résolution que l'Iban lire, m'a appelé textuellement pour nous, il dit Haïti, crise politique, forum national sur la nécessité d'une nouvelle constitution, jeudi 22 octobre 2020. Haïti, crise politique, acte du forum sur la nécessité d'une nouvelle constitution, recommandation au pouvoir exécutif. Je lis la constitution de 1987, dès son élaboration, a toujours été la cible de beaucoup de critiques. Une fois entrée en vigueur, certaines de ses dispositions se sont révélées difficilement applicables. Il en est résulté des crises incommensurables, portant atteinte jusqu'au fonctionnement efficient des trois grands pouvoirs de l'État. Face à l'effondrement effectif
crise de l'État-nation afin de commuer résolument cette crise séculaire que d'autres croiraient revenue et pour enfin permettre au pays de fonctionner dans l'intérêt de tous les Haïtiennes et Haïtiens, où qu'ils vivent, il devient nécessaire et urgent de doter le pays d'une nouvelle constitution. Sachant qu'il est universellement reconnu que lorsque les forces politiques ne répondent plus à leur responsabilité de préserver les acquis du fondement de l'État-nation, seules les forces sociales sont habilitées à apporter leur contribution dans la dynamique du renforcement des institutions étatiques. À cet effet, considérant les différentes propositions de textes constitutionnels issus de plusieurs secteurs de la société haïtienne, considérant le consensus général dégagé sur la nécessité d'effectuer en priorité la réforme constitutionnelle, conscient de la nécessité de mettre en commun les différentes propositions devant aboutir à l'élaboration de la nouvelle constitution, dans la perspective de restituer l'espoir aux Haïtiennes et Haïtiens des différents départements géographiques et des communautés haïtiennes de l'étranger, les signataires de la présente recommande fortement au pouvoir exécutif de 1. Présenter à l'appréciation de tous les secteurs du pays un agenda des actions qui conduiront à l'élaboration de la nouvelle constitution et la réalisation d'élections honnêtes et inclusives. Elle se déclinera notamment en 1. La création du conseil des sages de 3 membres pour la réforme constitutionnelle. La création d'un conseil technique de 11 spécialistes pour l'élaboration de la nouvelle constitution à partir des recommandations du conseil des sages. Le renforcement de l'Office national de l'éducation. La présentation de la nouvelle constitution. La validation de la nouvelle constitution. Approbation du peuple. Ces recommandations restent et demeurent ouvertes à la signature des partis politiques, groupements et organisations qui adhèrent à son contenu en toute liberté d'esprit et de conviction, fait à Port-au-Prince le 22 octobre 2020, au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Vive Haïti, l'Union fait la force. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.